Ici, c'est la phase 1 pour les enfants qui sont malnutris aigus sévères. Quand ils arrivent avec une maladie assez grave qui les empêche de bien manger ou bien alors qui entraîne une détresse qui les dérange la respiration, on a les enfants qui sont à la fois malnutris avec des œdèmes, donc le corps qui gonfle, ce sont les enfants qui font du kwashiorkor, et les enfants qui sont très cachexiques, très minces. Donc les enfants qui arrivent ici là ne peuvent pas manger, ils sont très malades. Et quand on les examine, on va leur donner des traitements antibiotiques. Donc par moment c'est un traitement systématique, comme on l'appelle comme ça. Donc on a aussi des enfants qui font des infections urinaires, qui sont très malades, qui sont très fatigués. Eux aussi on les donne la voie injectable parce qu'ils ne peuvent pas encore bien avaler. Ici c'est la phase de transition. Donc ces enfants qui étaient malades initialement dans la phase 1, quand ils vont déjà mieux, ils commencent déjà un peu à manger. On les amène ici là pour pouvoir augmenter les quantités de repas qu'on leur donne. Donc ce sont des enfants qui peuvent déjà essayer de boire tout seuls, qui n'ont plus beaucoup de traitements à prendre, et on fait cette transition. Et quand ils commencent à bien manger, qui a l'appétit, ils n'ont plus besoin de trop de médicaments. Alors on les envoie de ce côté qui est la phase 2, la phase de réhabilitation, où également on va juste observer si en donnant les quantités de repas thérapeutiques, ils vont bien suivre à la maison. Ils peuvent faire en général un jour ou bien deux jours pour certains. Quand ils rentrent à la maison, généralement, c'est les mamans qui s'en occupent. Elles vont continuer à leur donner le traitement par la bouche, par voie orale, et bien suivre le côté nutritionnel, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant mange très bien, comme on l'a demandé ici.